Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Très bon début de journée, il est 6h13, vous écoutez RTL. Et ce matin, l'Europe veut vous faire préférer le train, puisque à Strasbourg, aujourd'hui, le Parlement doit voter un texte pour que vous soyez beaucoup mieux remboursé en cas de retard. 100% du billet en cas de 2 heures de retard, 50% pour une heure, et ceci sur tout le continent. Bonjour Michel Kidor. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération européenne des voyageurs. Ce texte, il est ambitieux. C'est un peu un cauchemar pour les grandes compagnies. Est-ce qu'il a une chance vraiment de passer aujourd'hui ? Écoutez, d'après les dernières informations, oui, il y a un certain nombre de dispositions positives qui devraient être adoptées. Et puis, évidemment, malheureusement, il y a quelques dispositions qui sont plus ennuyeuses. Mais grosso modo, le texte va dans le bon sens. Ça fait partie de la politique européenne qui, en dehors de l'ouverture à la concurrence des chemins de fer, dont on a beaucoup parlé en France également, le législateur européen tient à mettre en place un ensemble de règles qui favorisent le voyageur et le prennent en compte pendant tout son déplacement. Notamment au niveau de l'information. Oui, l'une des batailles aujourd'hui au Parlement, c'est aussi que toutes ces mesures sur le remboursement, je parle du volet remboursement, concernent aussi les TER, ça vous y tenez beaucoup, est-ce que c'est gagné ça ? Alors, pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais c'est sur la bonne voie. C'est un point essentiel jusqu'à maintenant. Le droit des voyageurs européens excluait les TER et les trains de banlieue du bénéfice de la protection du règlement. Ouais. Et nous, on a toujours, à la Fédération européenne, combattu pour que ça soit pris en compte. Alors aujourd'hui, d'après nos informations qui datent d'hier soir, les transports régionaux seraient bien pris en compte, mais pas les transports de les trains de banlieue. Donc apparemment, le législateur couperait la poire en deux pour pas, comme vous le disiez, trop chagriner les grandes compagnies nationales. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, là je parle des TGV, quand un TGV en France a 2 heures de retard, on est remboursé 50% du billet. Bon là, avec ce texte, ce serait 100%. Souvent, on sait que les compagnies, pas seulement en France d'ailleurs, elles se cachent derrière la météo pour ne pas rembourser. On parle de quatre forces majeures, la neige c'est pas notre faute, les orages c'est pas notre faute. Là, avec ce texte, ça, ce ne serait plus possible. Écoutez, là, c'est un gros point d'interrogation et nous, on est très inquiets parce qu'effectivement, la force majeure est une bonne excuse un peu facile. Et aujourd'hui, il semble qu'on ait abandonné les conditions météo. Il y a un amendement plus inquiétant qui dit que serait force majeure tout cas où la compagnie n'est pas directement responsable. Ce qui voudrait dire, pour prendre l'exemple de la SNCF, que la SNCF Mobilité qui fait rouler les trains pourrait dire « Ben non, moi je suis pas responsable de ce retard ou de cette annulation parce que c'est la faute à SNCF Réseau, le gestionnaire de l'infrastructure ». Donc ça c'est très gênant parce qu'évidemment là, plus aucune personne ne pourrait être prise en compte et c'est très important notamment en cas de dysfonctionnement, non seulement pour se faire rembourser comme vous le dites, mais également éventuellement pour avoir une information en temps réel, avoir des solutions alternatives, éventuellement être hébergé en cas de gros pépin. Là, on sent qu'il y a une vraie bataille qui est en train de se jouer avant le vote au Parlement. L'Europe veut aussi que les compagnies soient responsables quand on rate une correspondance. Ça, c'est important. On imagine un cas très simple aujourd'hui. Un Lyon-Bruxelles avec correspondance à Paris. Aujourd'hui, vous arrivez en retard à Paris. Vous devez souvent repayer un billet pour la Belgique et vous ne savez d'ailleurs pas vers qui vous tournez pour faire une réclamation. La SNCF, Thalys, la SNCB, tout le monde se renvoie la balle. Basta. L'idée de ce texte, c'est que la SNCF, elle sera tenue de vous trouver une place et un ticket. Exactement. Il faut que dans la chaîne de transport, le voyageur soit pris en compte de son point de départ ou de son point de destination, quel que soit le nombre d'exploitants ferroviaires. Et il y en aura sans doute peut-être encore plus demain quand le système sera ouvert à la concurrence. L'idée, c'est que on puisse, si l'on rate sa correspondance par la faute d'un retard du premier opérateur, on puisse avoir le droit de monter sans payer aucun supplément dans le plus prochain train qui vous mènera à destination. Et là, ça s'est pas gagné parce que là, on a une résistance très forte, notamment des grandes compagnies nationales publiques qui résistent. Et le meilleur exemple étant par exemple Eurostar, pour lesquels les billets internationaux peuvent arriver à coûter très cher. Ouais, si on rate Eurostar... Surtout à la dernière minute. Absolument. Donc là, il y a un combat très fort. On a déposé un amendement également qui vise à cette prise en compte. On espère qu'il sera pris en compte. Mais là encore, c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, le vote devant intervenir aujourd'hui. Ceci dit, l'histoire n'est pas terminée puisque dans la procédure européenne, le texte doit encore être examiné par le Conseil des ministres et ensuite faire l'objet d'une négociation entre la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement. Oui, donc on n'est pas au bout du chemin. Donc on n'est pas au bout du chemin. Et puis on sait que les pays membres ont la possibilité d'utiliser des dérogations. Ils s'en sont beaucoup servis avec un texte notamment de 2007 qui était déjà assez ambitieux, qui avait été un petit peu vidé de sa substance. Ça, c'est vraiment le risque, Michel Kidor. C'est le risque. Bon, le nombre d'exemptions ou de quand les
pouvoir dire non, moi je recule la mise en place de cette disposition. Elle va être réduite et notamment impossible pour tout ce qui concerne l'accessibilité et l'information et la prise en compte des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. Là, les États ne pourront plus dire ah ben non, ça me coûte trop cher, je le fais pas. Là, pour les handicapés, il n'y aura plus d'exception possible. Merci beaucoup, Michel Kidor, président de la Fédération européenne des voyageurs, d'avoir été ce matin l'invité de RTL pour nous éclairer sur cette bataille, on le sent, qui est vraiment en train de se jouer avant le vote. Ce sera tout à l'heure au Parlement européen à Strasbourg. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, au revoir. RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info.